Entre nous, on doit avoir le courage de dire aux gens d'arrêter d'avoir l'esprit de Dieu. Aller s'organiser pour tuer quelqu'un, moi, c'est une chose que je ne pardonnerai jamais. Je suis civil, mais c'est des choses, moi, je ne pardonnerai pas ça. Faut pas aller tuer l'homme parce que tu veux l'argent ou bien le pouvoir. Ce qu'on a connu en 2015 a été catastrophique, où des gens ont perdu la vie pour rien, pour des questions de pouvoir. Donc, ayons le courage de dire à des Burkinabés qui sont actuellement assis quelque part et qui pensent que le pays, là, on doit tuer des gens pour faire des coups d'État, d'arrêter. Le pouvoir, l'argent, ça va finir. Il ne faut pas qu'on se tue pour le pouvoir. L'Afrique a tué combien de ses leaders? Où sommes-nous aujourd'hui? Les Thomas Sankara, là, sont là, on cherche toujours leur corps. Les Lumumba, là, c'est une dent qu'on a pris à aller enterrer au Congo, quand même. Pourquoi aujourd'hui s'asseoir dire que c'est la justice, c'est la justice, là? La justice, là, il y a des gens qui sont sincères. Mais pourquoi la justice, elle aussi, ne montre pas que non, ils sont là pour lutter? Maintenant, il nous faut des patriotes au pouvoir. Pourquoi l'Afrique doit se donner à ce spectacle? Et c'est l'élite toujours, ce n'est pas les paysans. Il nous faut des présidents patriotes. Et regardez tous les présidents qui ont eu des problèmes. C'est des patriotes. Et un dernier exemple, regardez ce qu'on est en train de faire à Dadis en Guinée. Dadis a fait quoi contre la Guinée? Mais c'est les mêmes manipulations de la justice, l'usage des mots, les questions des droits de l'homme. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit ici. Vous finissez là-dessus. Voilà. Mm-hmm. Maintenant, et au niveau du tribunal militaire, l'information qu'ils ont donnée, il faut communiquer. Et c'est ce que nous voulons. Les gens n'ont qu'à faire des communications claires. Si on a arrêté quelqu'un, il faut communiquer. Il y a quelque chose, il faut savoir communiquer. Et moi, ce que je demande, pour rejoindre, en tout cas, le Koros Kalifara Séré, tous les Burkinabés doivent se mobiliser pour que les jugements là soient publics et télévisés. S'il y a une loi, il faut la lever. On ne peut plus continuer à faire des procès dans des salles. Il faut qu'on voit de leur bouche comment les gens vont se défendre. Trop, c'est trop que dans un pays, on passe tout le temps comme ça. Il faut qu'on arrive à travailler pour que ces jugements-là soient publics. Tout le monde va voir ce qui s'est passé et chacun sera satisfait. D'accord. Et je remercie M. Dadabega qui a donné le mot juste. Une arrestation peut être illégale. Et je suis d'accord avec son mot. Il y a peut-être des arrestations illégales. Mais c'est ce mot vraiment qui sied. Quand je tentais d'expliquer la question de l'enlèvement. Donc, je le remercie pour le mot juste qu'il a utilisé. Il y a peut-être des arrestations illégales, même pas d'enlèvement.